Salut à tous, merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une vidéo sur l'application Raccourci. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech, la chaîne qui parle d'accessibilité de déballage de tutos sur assistant Google Alexa et Siri. Aujourd'hui le but de cette vidéo va être de vous montrer comment créer votre propre raccourci pour faire dire n'importe quoi à Siri. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et c'est parti pour le tuto. Et surtout ne me faites pas dire n'importe quoi. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo va concerner l'application Raccourci. Avec cette application, vous savez tous que aujourd'hui, depuis la version iOS 12, cette application vient de faire son apparition. Et grâce à cette application, vous allez pouvoir exécuter énormément de tâches. Rien ne sera impossible, vous allez pouvoir faire marcher votre imagination et faire tout un tas de choses grâce à votre iPhone et grâce à Siri. Faire parler Siri et lui faire dire tout ce que vous voulez. En avant pour le tuto. Pour créer vos raccourcis, il va falloir que vous alliez dans l'App Store et télécharger l'application Raccourci. Raccourci. Modifier. Alors, une fois que vous ouvrez l'application, tout en bas, sélectionnez Bibliothèque. Vous avez donc un bouton Bibliothèque. Ça va être l'endroit où vous avez créé vos propres raccourcis. À droite, Galerie. Onglet. On a une galerie où vous avez déjà des raccourcis qui ont déjà été créés et que vous pouvez vous servir. Ici, nous, le but, ça va être de créer notre raccourci. On va donc tout de suite aller tout en haut de l'application et à droite, on a un bouton qui s'appelle Créer un raccourci. Rechercher. Champ de recherche. Une fois que l'on a ouvert Créer un nouveau raccourci, on a différentes possibilités. Au centre, on a Ajouter des actions depuis la liste ci-dessous pour créer votre raccourci. Ce message est au centre de votre écran. Et dessous, Ajouter un nouvel événement. Vous avez tout un tas de choses que vous allez pouvoir faire à votre iPhone. On va chercher à faire dicter à Siri des choses. On va donc demander de créer un script, d'écrire un script, et on va se diriger sur rédaction de script. Vous cherchez dans cette zone rédaction de script. Rédaction de script. Juste dessous, on a demander une entrée. Affiche une zone de dialogue invitant l'utilisateur à saisir une information. Demander une entrée, c'est ce qui va nous intéresser. On le valide. ASK for input ajouté. On a donc commencé notre développement, on a donc commencé notre script pour créer ce que l'on veut faire dire à notre Siri. Après avoir lancé ce premier script, il va falloir aller rechercher un deuxième script pour l'insérer et celui-ci va être énoncer le texte pour que Siri puisse énoncer le texte qu'on voudra lui faire dire. Donc toujours dans notre liste tout en bas de l'iPhone, on va chercher énoncer le texte. Remplacer le texte. Plus d'infos. Énoncer le texte. Énonce le texte utilisé comme entrée à voix haute. Bouton. C'est ce qu'on désire. Spéa texte ajouté au. On vient donc d'insérer deux scripts. Ces deux scripts vont permettre maintenant de faire dire à Siri ce que l'on voudra. On remonte sur la fenêtre vers le haut. Attendre jusqu'à l'achèvement. Débit 50%. Tonalité 33%. Ajustable. On a donc positionné deux scripts. On ne va strictement rien toucher au centre de l'écran, mais on va aller dans les paramètres du script et on va lui demander d'aller mettre sur notre écran d'accueil une icône que l'on nommera par exemple énoncer le texte ou répète ce que je dis. C'est vous qui déciderez du nom de votre icône. Pour cela, il faut aller donc sur tout en haut de votre iPhone et aller sur exécuter le raccourci. Vous repositionnez sur le titre. Partager. Bouton. On peut partager ce script. Réglage du raccourci. Bouton. Réglage du raccourci. C'est ce qui nous intéresse. On va tout de suite aller dans cette option. Réglage. En tête.
C'est ici que ça devient intéressant. On va déjà, OK, bouton nom, raccourci sans titre 1, bouton, lui donner un nom. Nom, champ de texte. On va donc lui donner un nom, on va partir un petit coup à droite. Effacer le texte, bouton, raccourci sans titre 1. Et on va lui dire, répète ce que je dis. Insertion de répète ce que je dis. Ceci sera le nom de notre raccourci. On part maintenant à gauche sur le bouton OK. OK, bouton, réglage. Maintenant, on a donné un nom à notre script. On continue la navigation. Maintenant, ajouter à Siri le mot-clé qui va déclencher ce script. Ajouter à Siri, bouton. On valide. Annuler, bouton. Ajouter à Siri, en tête. Exécuter, répète ce que je dis. Raccourci. Expression enregistrée. Dites par exemple. Répète ce que je dis. Une fois votre expression personnalisée enregistrée, Siri peut l'utiliser pour dire à raccourci d'exécuter ce raccourci. Lancer l'enregistrement. Bouton. Donc maintenant, on va lancer l'enregistrement de la phrase clé. Quand Siri va l'entendre, va exécuter le script. Répète ce que je dis. Modifier. Expression enregistrée. Répète ce que je dis. OK. Bouton. Il faut donc valider ce que l'on vient d'exécuter avec le bouton OK. OK. On valide. Le travail est pratiquement terminé ici puisque il ne nous reste plus qu'à aller mettre l'icône sur le bureau de notre iPhone et ce sera terminé. Exécuter ce raccourci à l'aide de votre voix en l'ajoutant à Siri. Ça, c'est pour Siri. Afficher dans le widget. Activé. Afficher dans la feuille de partage. Off. Utiliser ce raccourci depuis d'autres apps en ouvrant la feuille de partage et en touchant raccourci. Sur l'écran d'accueil. Bouton. Nous, ce que l'on veut faire, c'est mettre une icône sur l'écran d'accueil de notre iPhone pour que l'on puisse taper dessus et déclencher le raccourci, le script du raccourci. Ou on peut tout simplement le faire avec Siri. Ici, on va mettre une icône. Annuler. Lorsqu'on tape donc sur ce choix, apparaît cet écran. On a aperçu de l'icône, glyphe baguette magique, couleur d'arrière-plan pamplemousse, image. Voilà donc une icône avec une petite baguette magique, couleur pamplemousse, tout nous est raconté. Sélectionner, couleur. Et bien sûr, dessous, vous pouvez faire votre choix de couleur suivant si vous êtes malvoyant et que vous voyez mieux les couleurs. Une fois ceci terminé, aperçu de l'icône, OK, bouton. On valide par OK. Safari, Safari, adresse. 12%. À ce moment, Safari s'ouvre et vous met ce style de fenêtre. Ici, vous n'avez qu'à aller dans les onglets d'en bas pour partager, envoyer le raccourci sur votre écran d'accueil. Destinataire AirDrop. Aucune détection. Christ. Bien sûr, une fenêtre s'ouvre et vous avez ce genre de partage comme partager par message, etc. Nous, ce que l'on veut, c'est mettre l'icône sur notre écran d'accueil. Copier. Sur l'écran d'accueil. On le valide. Champ de texte. Modification en cours. Répète ce que je dis. Mode caractère. Point d'insertion à la fin. Donc, on vous demande de donner un nom à cette icône pour que elle soit reconnue. Ajouter. Bouton. Tout en haut à droite, vous avez le bouton Ajouter. Ajouter. Wizgo. Bêta. Wizgo. Bêta. Maintenant, sur l'écran d'accueil de votre iPhone, apparaît une nouvelle icône qui s'appelle Répète ce que je dis. Le travail est donc terminé, vous avez créé votre icône, vous avez créé votre script. Si je tape deux fois sur cette icône, l'écran rapidement pour exécution du raccourci, champ de texte, modification en cours. Une fois que vous tapez donc deux fois sur l'icône, une boîte de dialogue s'ouvre où vous allez pouvoir donc écrire ou dicter ce que vous voulez faire dire à Siri. Salut à tous, virgule, à la ligne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Une fois notre texte rentré, OK. On va sur le bouton OK tout en bas à droite de cette boîte de dialogue et Siri va répéter ce que l'on vient de dire. Salut à tous. Ce que je dis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Surtout pensez à vous abonner à la chaîne Vision Hightech, ça fait toujours extrêmement plaisir de voir que nos travaux sont récompensés. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut à tous. Raccourci terminé. Vous venez de créer votre premier raccourci, j'espère que cela vous a aidé à découvrir cette application. Je vous dis donc un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, à partager comme d'habitude. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!